sait où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors, on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est compliqué. Et ton frère? Ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Hé, hey, tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non! Hé, hey, un moulin! Ouais, on va traverser par là. Waouh! Oh, c'est quoi ces oiseaux? Des canards. Oh, comme ceux qu'on mange? Oui, et les canards mangent des grenouilles, c'est la vie, Hugo. Ça va? Je vous dérange pas? Allez, viens. Mieux vaut ne pas rester là. Il est toujours... comme ça? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Le premier au moulin a gagné! Hé, moins vite! C'est fermé. Laisse-moi faire. Ouvert. Elle est géante, ces trous. C'est pour écraser le blé. Oh, le courant est trop fort. Comment on va faire pour passer? On doit arrêter la roue. Et comment on va l'arrêter? Amicia, on va trouver un moyen. À toi, Mélie. Ouais. Hugo, tu veux bien t'en occuper? Oui. Le courant diminue, mais c'est pas suffisant. Ça marche! Ouais! Allez, y a plus qu'à traverser. Amicia, tu pars pas sans moi, hein? J'arrive, Hugo. Je cherche simplement le moyen de te faire passer. J'ai déjà entendu Arthur me dire ça. Attends. Ça marche. Je pourrais t'aider de l'autre... Mélie, tu peux t'en charger? Bon, on va voir si ça tient. C'est pas aujourd'hui que je prendrai un bain. Arrête. Viens. Te laisse faire, Hugo. D'accord. Arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira à coup sûr. Pas mal. T'essayes de m'impressionner ou quoi? Hein? Non! Bon allez, venez! C'est joli ici! Ça sent la terre! L'aqueduc! Lucas est là-bas? J'espère! Il va pas avoir fière allure votre château! Pourquoi? Il y avait un village ici! Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps! On dit que le coin est maudit depuis! Oh Micha! Elle plaisante, Hugo! Bien sûr que je plaisante! Oh! Tu sais ce que c'est? Une aubépine, je crois. Personne l'aime à cause des épines, mais elle est bonne pour le cœur. Tu en sais des choses. Maman m'a appris. Alors, tu m'apprendras?
Et toi, tu m'apprendras à utiliser une fronde ? Marché conclu. Qu'est-ce que vous fichiez ? Juste un détour. Amicia. Hugo, qu'est-ce que tu fais ? Viens. Oh. Oh. Hugo, regarde-moi. Ça recommence ? C'est ta tête, c'est ça ? Ça fait comme une chose qui grossit dedans. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang. Toi, t'as rien ? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Amicia. J'ai peur. De quoi, Hugo ? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. Ah ! C'est ça, ta maison ? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas ! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? Comme des gibiers de potence, tu veux dire ? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça ? Noble ? Amicia ! Ça veut dire quoi, ça ? J'ai froid. Noble ? Regarde-nous bien ! On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi ? Qui c'est qui va nous payer, alors ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Quelque chose ? Non, c'était rien. Hé, hey, les gars ! Par ici, venez m'aider ! Où ça va ? Ça va dehors. Oui, mais dehors, où ? Fais-moi confiance. Et ton frère ? J'aurais déjà dû être là. Désolée. L'enterre pas trop vite. Merde, restez baissé. Il a un casque. Oh, Dévorantis. Quoi ? Dévorantis. Salpêtre et alcool. Merde. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne ne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. Vise le casque. Défonce-lui la tête avec une pierre. Allez. Bien fait pour sa trogne. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi ? Merde, regarde. Il y en a un avec un casque. Tu sais quoi faire. Oui. Moi, j'hésiterai pas. Restez ici. Je t'attends. Dans une des caisses. Mais c'est un bordel sans nom là-dedans.
Oui, ça venait de là-bas, je crois. Je le savais. Du calme. Vous voyez la R s'éclairer là-bas? C'est par là qu'on sort. Bon, Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Hugo, tu surveilles la zone. Et pas un bruit, d'accord? Entendu. Trouvez Hugo de Rune. Tuez les autres, allez! Il me cherche encore. Tais, toi. Paraît que les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. Jamais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les deux runes. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en... Ça ne fait rien comme bruit.
Alors, toujours rien? Non, c'est juste des gamins. Je parie qu'ils se perdent dans un four quelque part. Ça fait beaucoup d'hommes pour juste des gamins. Et le grand inquisiteur n'a pas l'air de ménager beaucoup le seigneur Nicolas. Nicolas a vu le pire. On l'appelle pas le moine écarlate pour rien. Si on n'avait pas dû gérer les dégâts chez les Anglais, on les aurait déjà pris. Nicolas va être furieux. Et Vitalis, le capitaine de la garde fait peur, c'est sûr. Ça venait d'où? J'ai été attaqué par une chose. Debout! Debout! On a un de nos gars au sol ici, faites gaffe! Hé! Hey. Hé! Hey. Par ici! Si on n'avait pas dû gérer les dégâts chez les Anglais, on les aurait déjà pris. Nicolas va être furieux! Et Vitalis? Le capitaine de la garde fait peur, c'est sûr. Mais le vieux, crois-moi, quand il a pas ce qu'il veut, il a le bûcher facile. C'est quoi, là? Quelque chose là-bas. Oula! On y est presque. La R s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Là! Ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, votre Altesse. Allez, avance. Qu'est-ce que vous allez me faire? Attention, c'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en ville au bastion de l'Inquisition. Amicia,
le Dévorantis. Il t'en reste ? Oui. Alors vas-y, fais sauter son casque. Quoi ? Nika ! Je suis tellement contente de vous revoir. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hé, je t'entends. Et toi, Lucas ? Ça va ? Hé, ça vous dit de faire ça en courant ? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer ? Vous en pensez quoi ? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez, l'aqueduc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois ? Oh non, t'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi ? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est ? Un accident ? C'est un chariot de l'Inquisition. Les rats. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère, Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Lance-le sur les rats. Luminosa. Ah, ça pique les yeux. Hein ? Ils ont été pulvérisés. Lucas, le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, c'est logique. L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la Macula sans l'aide de textes alchimiques. Je ne sais pas ce qu'ils mijotent, mais... En tout cas, ces chariots nous seront utiles. L'aqueduc, on arrive. Enfin, on va enfin savoir. Hein ? On va monter sur l'aqueduc. Hugo, on dit aqueduc. Ah, aqueduc. Aqueduc. Nelly, où est ton frère ? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. T'as l'œil. Vas-y, monte. D'accord. Quoi ? C'est tout ? Il y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non, non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier ? Bien vu. Amicia ? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Oh là là ! Eh ben... Est-ce que c'est... la mer ? Non. Juste une poche d'eau souterraine. Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. Un bac à trail. Un quoi ? C'est une barque tractée par une corde que l'on tire à la main. Il y a une manivelle. Mélie, j'ai besoin de ton aide. Lucas ! Viens faire ta part au lieu de roupiller. Oui. Non, elle est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid alors. Tu sais, il y a longtemps,
père m'avait emmenée au lac de Tourve. J'avais glissé dans l'eau et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. J'y vais ? Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. C'est parti ! Wow ! Je vois pas de poisson. Oh, ça, c'est à cause du monstre. Hein ? Un monstre ? Bien sûr ! Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas ? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. À votre tour ! On arrive ! C'est bon. Vous pouvez lâcher. Ça va ? Oui, oui. Ça va. J'aime pas trop l'eau. J'avais peur. Je... T'en fais pas. On n'en parle plus. Tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Mélie, tu peux le faire ? C'est ouvert. Oh, et voilà, ça recommence. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est... Non, pas possible. Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas ! Celui-là, dans l'autre sens. Plus calme. C'est un système de défense. Comme un château ? Comme un piège à rats, qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche ? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas, on regarde. Viens, Mélie. Pendant que les hommes rêvent, il faut qu'on avance. C'est ça. C'était... peut-être des chevaliers. C'est tout plus allez, des chevaliers, mais... à la fosse. Je dois passer de l'autre côté. Mais... bon, allez, venez. Artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. Très juste. Et ça, ça me donne la chair de poule. Monte, je vais t'aider. Ça marche. Je m'occupe de la porte.
de feignant. Parfait. Pas à dire, c'est... Allons-y, casse leur système. Suis-moi. Oui. Encore une porte? C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire, ces portes. Il est là! Le château! Wow. Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Il est superbe. J'ai douté à un moment. Mais ça... Ça, c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. Je vois pas comment. Wow. Ça. Les maintenant, courez. C'est de la folie. Plus jamais. Passion. Incroyable. Vous vivez ici. On est drôlement haut. Encore un effort, Hugo. C'est bon. Ça devrait être. C'est le moment. Allez, allez. Château d'ombrage. Oh, il est encore plus gros d'ici. Entrons vite, venez. Wow. Incroyable. La tour là-bas, ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est ouvert. Ils se sont tous donné rendez-vous ici, on dirait. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. Comme ça, on pourra faire bouger les rats. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Mélie? Du moment qu'on les dégage. Allez, le siège du château d'ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, ils changent d'enceinte. L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier. Donc, rats, c'est ton rayon. J'ai compris. Je me sens déjà mieux. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. De la fosse. Oh, le brasier revient tout seul. Mélie, tu peux venir? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas.
Regarde-les. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. Cela aussi doit finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. Ma vie que je mets entre tes mains, là, hein? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête. Tu peux t'en charger? Ouais. Ça manque d'entretien. Tu préfères être en bas, peut-être? Ça va, c'est juste que je me chauffe. Je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. Dernier secteur maintenant. Je dois retourner à l'échelle. Il y a encore des rats en bas. Je vais avoir besoin du brasier. Bon, eh ben c'est reparti. Vous vous en sortez? Oui. Comment ça va, Hugo? Ça va, mais on vous entend crier. T'inquiète pas, l'orage couvre nos voix. On ira bientôt tous voir la tour. Quand tu veux. Viens, je vais te faire monter. J'arrive. Le pont. On ferait mieux de le baisser. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la Discrète conquirent le château d'Ombrage. Oh là. T'as trop lu de livres, toi, hein? Je... Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends. Oula, c'est quoi ça? Ça va aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller, c'est ton château. J'avais une sorte de lien. Notre château. Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave. Comment je vais faire pour monter? Faut avoir une échelle. Ces saletés de rats sont partout.
très drôle. Sauver. Oui, Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour! C'est parti, venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant.